Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo extrêmement qualitative, très travaillée. C'est la review Mirror's Edge, comme vous pouvez le voir sur l'écran, quoi. C'est vraiment la review Mirror's Edge. Et cette vidéo, c'est une putain de libération. Je sais pas si vous connaissez OK Watch, je sais pas si vous connaissez Pandanoko. J'ai littéralement 300 heures sur OK Watch 1 sur 3DS. J'ai 300 heures dans le jeu et j'ai complété le médaillon à 100%, sauf Pandanoko. Pandanoko, je l'ai pas et je l'ai jamais eu de ma vie. Je joue au remake de OK Watch 1 Switch à fond, genre je dois avoir combien? J'ai 86 heures de jeu et un peu plus avec... En comptant les resets, j'en avoir un petit peu plus. J'ai joué 105 heures, voilà, ok. En comptant les resets pour avoir des UK de fou. Bref, aujourd'hui, je parle à ce mec. Je parle à ce mec alors que ça sert plus à rien concrètement. Genre en fait, en gros, parler à ce mec dans le remake sur Switch, pour ceux qui connaissent pas, en gros, ça fait apparaître des UK dans la maison, l'auberge des voyageurs, ça s'appelle... Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'était là-dessus qu'on rencontrait des gens via Street Pass sur OK Watch 1 3DS et qu'on avait des yokai en les rencontrant dans la Street Pass. Et là, ça donne des yokai aléatoires. Donc, il y a une chance extrêmement faible et extrêmement rare de choper pour Danoko. Et là, qu'est-ce que je vois? Bon, du coup, ça vous a spoilé. Mais le mec a dit VIP. Et en fait, quand c'est écrit VIP comme ça, bon, le jeu est genre en japonais, oui, je sais, c'est exclusif au Japon à la Switch. Quand c'est écrit VIP comme ça, c'est que il y a quelqu'un dans sa VIP et ça peut être que lui. Bon, du coup, vous avez déjà spoilé, j'avoue. Mais. Je n'ai jamais vu un yokai en droite de toute ma vie sur ce jeu, en plus de 400 heures de jeu, tout au long de ma vie sur Yokai Watch 1. C'est incroyable. Oh là là, quand je pense que je passe d'une vidéo où genre je fais des analyses Splatoon, je fais une vidéo sur Persona 5 où je me la bute, et là je fais ça, mais c'est incroyable, putain, Pandanoko. Oh là là là, je suis un homme heureux. Je suis vraiment... Si vous saviez comme j'avais essayé de l'avoir sur le Kawatch 1, sur 3DS, et c'était impossible. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un via Street Pass qui avait ce Kai. Si quelqu'un a ce Kai via Street Pass et va genre à la Paris Games Week ou quelque chose comme ça, dites-le moi, vous prenez votre 3DS, on se rencontre à la Paris Games Week. Je suis désolé, je bégaye. Je ne sais même pas ce qu'il aime, je crois qu'il aime les burgers, mais attendez, je vais vérifier ça tout de suite en fait. Oui, genre, si quelqu'un a une 3DS et va à la Paris Games Week avec, genre, et vous avez pendant un coup, vous venez, vous ramenez le Kawatch 1, on se rencontre, et ouais, c'est ça, c'est les burgers, j'étais sûr. C'est juste fou. Oh là 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 là. Bon, bah, en fait, je pensais ne jamais pouvoir finir ce jeu à 100%. Alors, ça va être extrêmement dur d'avoir les EK du Medallium. C'est mon cabotin, il est pour nous. Ça va être extrêmement dur d'avoir les EK du Medallium. Enfin, non, du Mingo Kai, excusez-moi. Je vais gagner. Ouais. Ah, je l'ai. Ah, d'accord, je l'ai tout shot. Mais. Franchement, je pense que avec ça maintenant je suis confiant pour tenter le 100%. Parce que c'est ouf en fait, genre Pandanoko c'est le yokai ultime, c'est le yokai impossible à avoir. Alors les yokai du Mingokai ils sont chiants parce que dans cette version c'est super dur d'avoir les pièces du Mingokai, mais en formant les larmes éternelles, genre ça se fait. Mais Pandanoko, oh la 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 la. Je suis tellement content. Allez, bon je vais essayer de le recapturer. Peut-être, hein, qui sait? Non, personne n'y a cru, évidemment. C'est impossible. Allez. Ce serait incroyable de l'avoir maintenant. Ah, dommage. Et ce son-là, quand je vais l'entendre, je vais être tellement heureux. Bon, ça fait quand même 20 minutes que je suis en train d'essayer. Je sors à me rendre compte que ce serait peut-être bien si je mettais une autre team à la place, genre une team de plein de yokai niveau 5, genre. Et comme ça, au moins, j'aurais peut-être une chance d'avoir la bulle. Je pense que ce serait un petit peu la strat à faire. Bon, c'est juste pour optimiser le truc en soi, vraiment. Et, allez, oui. Elle est parfaite, cette équipe. Et là, je vais manger de la terreur avec cette team. J'ai tombé sur Orcanos. Ah, fait chier, c'est la magie. Bon, en vrai, au moment où il y a des chances qu'il y ait une bulle qui apparaisse, c'est déjà ça. Let's go! Let's go! Pandanoko! Putain!
Putain, genre, ça, je suis sûr que ça paraît tellement rien pour plein de monde, mais c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Oh là 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 là. Attends, c'est où le P? Ah, oh, je crois. Ah, oh, il y aura même pas la place. Comment est-ce que je vais l'appeler? Panda. Ah, il manque vraiment un slot, quoi. C'est chier. Panda, no, hein. Écoute. C'est pas grave. Oh là là. Ça y est. Pantanoko, il va être dans le médaillon. Si ça c'est pas la dinguerie, si ça c'est pas la folie. Oh là là, mais j'ai même mis une Inunoko et tout. Bon, j'avoue, il y a vraiment beaucoup de yokai que j'ai pas encore. En fait, j'attendais vraiment d'avoir les yokai les plus rares, super chiants, pour après aller capturer la globalité. Non mais alors là, c'est vraiment dingue. C'est la folie. Où est-ce qu'il est? Il est là, il est là. Il est incroyable. Il est incroyable. Oh, let's go. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est bon, je suis un homme accompli. J'ai... Bah du coup, techniquement, en combinant les deux jeux, j'ai tous les yokai du médaillon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée. La bise. Avec cette équipe de merde.